Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo donc haul bon plan cadeau. Je voulais attendre d'avoir reçu ma commande Maison du Monde mais elle tarde un petit peu à arriver et comme j'ai d'autres trucs à vous présenter plus tard, je vous referai une vidéo d'ici la fin du mois. Donc je vais commencer déjà avec tout ce que j'ai déjà à vous partager. Tout d'abord, je vous avais dit dans ma dernière vidéo haul bon plan cadeau que j'avais acheté des lettres lumineuses en fait. Donc j'avais déjà reçu le K, le S, le I et le L. Et il me manquait le F en fait, puisqu'il n'était pas dispo au moment de ma commande, qui m'avait dit que ce serait un envoi différé. Et donc j'ai pu le récupérer tout à l'heure. Donc on a trop hâte de les construire, de mettre le washi tape et puis les petites lumières, et comme vous pouvez voir, donc ce sera lumineux, et comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, donc c'est 5 € la lettre, donc je trouve ça plutôt sympa. Donc pour décorer donc ces fameuses lettres, donc j'ai pris du washi tape. Donc tout d'abord j'ai pris ce duo là qui était donc à 2 €, donc franchement super joli comme ça en argenté. Donc vous avez un argenté classique et vous avez un argenté pailleté assez large, donc je me suis dit pour installer sur ces fameuses lettres ça pourrait être sympa. Dans le même style, j'ai pris le doré. Donc pareil, c'était 2 € les deux rouleaux. Donc franchement, je trouvais ça plutôt cool. Donc pareil, qu'un doré tout simple et un doré comme ça, pailleté. Je ne sais plus si on a la longueur dessus. Je crois que c'était 5 mètres. Ouais, c'est ça, 5 mètres. Donc franchement, il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Toujours en washi tape, j'ai pris ce trio-là. Donc ce tri... ce, pardon, 4... ce quator, je sais pas comment on dit, qui était à 3,50 €. Donc vous avez un blanc, un noir, un argenté et un doré. Donc pareil, toujours en vue de faire les lettres et puis éventuellement après pour les paquets de Noël ou des petites décos, des choses comme ça. Et pour finir, les autres, ils étaient donc à tout, donc c'est quand il y en a 4. Donc c'est celui-ci qui était à 2,50 € si je ne dis pas de bêtises. Voici, c'est ça, 2,50 €. Et vous avez 4 rouleaux. Donc avec pareil, un doré, un espèce de beige avec des rayures dorées, des espèces de petits éclats comme style un peu des flocons de neige et des petits pois. Et du coup, j'en ai pris deux. Je me suis dit, voilà, pareil, toujours en vue de décorer les fameuses lettres et éventuellement, pour finir les paquets cadeaux de Noël ou même de la petite déco, ce sera sympa. Ensuite, pour ceux qui me suivent sur mon compte Instagram, je vous l'ai présenté. On est passé à Super U il y a une petite semaine de ça et il y avait des rouges à lèvres Maybelline en promo. Donc ce sont ceux-ci avec ce packaging-là. En fait, ce sont des mattes. Donc j'ai craqué pour deux teintes, donc le 886 et l'autre, c'est le 882. Je vous ai fait des swatchs sur mon Instagram, mais je vais vous en refaire ici. Donc le premier, le 886, c'est le Berry Bossy. Donc il se présente comme ceci. 886. Et franchement, ils sont juste magnifiques. Et en plus, ils ne sont pas asséchants. Donc pour celles qui, comme moi, ont les lèvres sèches, ils vous plairont très certainement, puisqu'ils ne sont pas du tout asséchants. Et c'est une très jolie couleur, comme ça, un peu prune violine. Franchement, super jolie, quoi. Vraiment, je suis vraiment très contente et j'ai pas gardé le ticket, mais je crois qu'ils étaient à 4 ou 5 €, le 8 ou 9, il y avait 40%, il me semble, quelque chose comme ça. Et le second, donc, qui est le 882, qui est donc le Fiery Fuchsia, dur à dire. Et pareil, c'est un très joli fuchsia, hein, comme son nom l'indique. Franchement, ils sont super, super jolis. Ils sont assez crémeux, ils sont pas asséchants, ils sont très confortables, donc très gros coup de cœur. Ensuite, pour celles qui me suivent sur mon compte Instagram et ma page Facebook, dont je vous l'ai présenté, c'est une petite boîte que l'une de mes petites soeurs m'a offert dimanche, donc toujours la même. En fait, elle l'a eu en cadeau chez L'Occitane. Donc elle m'a dit que c'est à partir de 15 € d'achat en boutique et sinon sur le site internet, c'est avec le code MERCI, si mes souvenirs sont bons. Je vous remets tout ça de toute façon dans la barre d'infos. Et donc à l'intérieur, elle a eu des petits échantillons qu'elle m'a glissés, donc deux petits échantillons de la crème pivoine, et un shampoing fraîcheur, donc ça c'est toujours cool, les petits échantillons, surtout l'Occitane, moi j'adore cette marque. Et donc à l'intérieur vous aviez, donc enfin vous avez d'ailleurs, 4 crèmes pour les mains qui se présentent comme ceci. Donc ça rappelle, l'année dernière ils avaient fait un peu la même offre avec une boîte que j'ai toujours d'ailleurs, avec une ronde de crème à l'intérieur. Et donc cette fois-ci, donc on a l'incontournable, donc celle au karité, donc qui fait 10 ml, donc moi c'est le type de format que j'aime beaucoup, notamment glisser dans mon sac à main, donc c'est hyper pratique. La seconde qui est donc à la lavande, donc il se présente comme ça. Moi les crèmes pour les mains L'Occitane, j'en suis vraiment vraiment fan, je les adore. Celle-ci c'est une de mes odeurs préférées, donc à la menthe.
donc toujours en 10 ml. Et la petite dernière, pareil, une odeur que j'aime tout particulièrement chez L'Occitane, donc fleur de cerise. Donc j'étais très contente, franchement c'est un joli petit cadeau. Et enfin, franchement ils font toujours des packagings super mignons. Et en plus il y a un abonnement à l'intérieur offert de 2 mois au magazine Elle, mais je sais pas si je vais le faire parce que quoi que je ne le reçois plus depuis un moment, mais je ne savais plus quoi en faire des magazines, donc voilà. Donc ensuite hier nous sommes passés chez Stokomani, ça faisait un moment qu'on n'y avait pas été. Et je suis tombée sur un truc, je suis trop contente, puisqu'il y a plusieurs mois de ça, j'avais repéré ça sur le site de Tati, mais impossible de mettre la main dessus. Donc c'était ce fameux carrousel en fait. Donc vous avez 4 modèles différents, donc le rouge, le blanc, et vous avez aussi donc en bleu ciel ou en rose pastel. Malheureusement quand j'y étais, il n'y avait que les bleus et les blancs. De toute façon, j'avais une préférence moi pour le blanc. Et du coup, j'en ai pris un pour mon fils, même si j'en avais déjà pris un de chez Maison du Monde que j'aime beaucoup. Franchement, je ne pouvais pas le laisser. C'était à 7,99€, donc ça vaut vraiment le coup. Et la seconde, donc je l'ai pris pour mes deux petites nièces, Luna et Manon, donc les deux filles de l'une de mes petites sœurs. Et franchement, c'est trop mignon. Donc un joli petit carrousel comme ça, avec donc la musique de Vive le Vent. Franchement, c'est super joli pour moins de 8€, vraiment le top. Donc toujours chez Stokomani, mon mari a repris des petites maisons lumineuses donc pour faire son village de Noël. Donc vous avez été quelques-unes à m'envoyer des messages en me demandant mais c'était quoi cette histoire de village de Noël. Donc je vous remettrai la vidéo de l'année dernière dans la barre d'infos. Je vous invite à aller la voir, c'est vraiment super joli ce qu'il fait. Et de toute façon, cette année, on vous refera une vidéo comme l'année dernière. Donc je ne vous les montre pas puisqu'il les a déjà... Il les a déjà mises de côté pardon, pour pouvoir faire son village, je pense courant du mois de novembre en tout cas j'espère. Ensuite moi j'ai pris donc deux marqueurs, enfin deux lots de marqueurs de la marque Bic, n'importe quoi. Bic, donc il y a un or et un argent dedans. Donc qui était à 1,99€ le duo. Donc franchement les marqueurs sont super jolis. Ils écrivent assez, assez gros mais pas trop. C'est une mine feutre en fait. Je vais vous montrer ce que j'en ai ouvert un des deux pour les tester hier, c'est cela. J'en ai pris deux parce que franchement à moins de 2€ le duo ça valait vraiment le coup. Et je vais vous montrer la mine. Hop. Donc ça se présente comme ça. Et ça écrit donc argenté et doré. Et ce sont des feutres indélébiles. Donc je me suis dit pour Noël, pour écrire sur les paquets, ce sera vraiment vraiment top. Ensuite, toujours chez Stoko, on a pris pour ma fille, enfin pour l'anniversaire de ma fille, des petites, ils appellent ça des cierges étincelants. Donc c'était à 1,99€. Donc à l'intérieur, vous avez 15 cierges étincelants, vous savez, c'est les petits trucs où vous mettez le feu au bout, là, puis ça crépite. Donc voilà, on s'est dit pour mettre sur ces gâteaux d'anniversaire, ça serait plutôt sympa. Ensuite, toujours chez Stokko, donc des biscuits. On a pris aussi un puzzle 100 pièces, donc pour mon fils de 6 ans, qui était à 5,99€, donc plutôt cool. Et donc c'est du dessin animé Arlo, puisque comme je vous l'avais déjà dit, il est fan des dinosaures. Et nous, les puzzles, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire avec lui, donc c'était l'occasion. Voilà, un joli puzzle, très sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Ah oui, j'ai pris deux assiettes rondes de décoration. Donc, chaque assiette était à 1,49€. Franchement, 1,49€, ça valait le coup. Donc, elles sont dorées comme ça, avec donc tout plein de feuilles incrustées. Vous aviez aussi d'autres modèles, mais ma fille a choisi ceci. En fait, c'est tout simplement pour placer ses gâteaux d'anniversaire, puisque pour celles qui ont vu ma vidéo... Hall Emma c'était. J'essaierai de penser à vous mettre le lien en barre d'infos. On avait acheté donc pour son anniversaire de la déco avec des étoiles dorées, avec pas mal de touches dorées dedans. Donc voilà, pour mettre ces gâteaux d'anniversaire. Donc du coup on en a pris deux, même si je pense qu'il y aura beaucoup plus de gâteaux. On n'allait pas en prendre 15 000 non plus. Je lui ai dit deux, c'était bien. Et ensuite je lui ai pris un paquet de serviettes du coup dorées. Donc qui était à 1,99€, donc les 40 serviettes. Donc voilà, tout simplement pour aller voilà avec la déco, le thème qu'elle a choisi. Donc avec pas mal de touches de doré et tout, donc voilà. Toujours hier en allant se balader, on s'est arrêté chez Pilepoil puisqu'à la base on cherchait des déguisements puisque ce week-end, donc samedi 15, on est invité à l'anniversaire de mon frère et de ma soeur puisqu'ils ont eu 40 et 30 ans la même année. Donc on a loué une salle et en fait ma soeur, c'est quoi ? Ma fille est tombée sur un grand miroir, donc je vais vous mettre une photo.
Donc il était à 12 euros, donc franchement ça valait le coup puisque ça fait un moment qu'elle en cherchait un, et à chaque fois soit ça n'allait pas, soit ils étaient trop chers. Et là donc avec un joli cadre blanc tout autour, et on va pouvoir lui fixer donc soit derrière sa porte, soit éventuellement sur un mur. Donc on va voir ça avec elle, mais franchement elle est trop contente. Et donc je vais clôturer cette vidéo avec deux décorations de Noël qui viennent tout droit de Disney Village, puisque j'y suis allée tout à l'heure, donc je vous ai un peu snappé tout ça. Puisqu'en fait je fais un troc avec Mélanie de la chaîne Happy Together 17. Et elle avait repéré, pour celle qui l'a su sur Insta, vous l'avez vu, une grosse boule à neige, donc avec des tsum-tsum à l'intérieur. Du coup, j'ai été lui chercher tout à l'heure. Et du coup, j'ai craqué pour deux décos de Noël. Donc la première, c'est celle-ci. Donc avec la fée clochette à l'intérieur. Donc vous avez toute une espèce de petite cage comme ça en cuivré. Franchement, elle est trop, 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 trop belle cette déco. Franchement, ils font des trucs cette année, mais magnifiques, quoi. Donc normalement elle était à 12,99 €, mais j'ai pu bénéficier de la réduction de ma belle-sœur puisqu'elle travaille à Disney. Franchement quand je l'ai vue, il y en a plein, hein, mais celle-ci j'ai eu un gros coup de cœur. Et la seconde je l'ai prise puisque l'année dernière malheureusement on l'avait commandée à ma belle-sœur, mais c'est une boule qui avait été vite épuisée. Donc même si c'est pas son premier Noël, je tenais à l'avoir pour cette année. Normalement elle est à 8 €, pareil, j'ai bénéficié de sa réduction, donc c'est plutôt cool. Et donc c'est la boule mon premier Noël, donc avec le petit pampon à l'intérieur et avec un petit moineau. Et m'a floqué ici, donc mon premier Noël. Donc voilà, c'est pas grave, il n'y a pas eu l'année dernière. De toute façon l'année dernière, on n'est pas grand compte. Trop compte, pardon, grand compte, n'importe quoi. Trop compte, donc du coup voilà, je suis trop contente. Voilà ma vidéo haut le bon plan qu'à tous achève ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais à tous et toutes de très très gros bisous, ciao!